On a décidé de faire la révolution. On a décidé d'aider les gens à repenser politiquement. On a créé une coopérative d'éducation populaire politique. Conscientiser les gens massivement. On recherche à émanciper les gens, à développer l'émancipation. Aussi de les outiller, de faire en sorte qu'ils soient capables de construire des stratégies, qu'ils aient envie de bâtir des actions collectives pour pouvoir peser sur ce qu'ils vivent, quoi. Cette fameuse visée de transformation sociale, travailler à des outils, des façons de s'organiser qui soient différentes pour avoir des résultats. Après une recherche-action de 3 ans, on a franchi le pas de se mettre dans le modèle de la SCOP. Créer notre propre outil de travail pour faire de l'éducation populaire, qui était déjà notre métier officiellement, pour en faire exactement comme on pensait que ça devait être fait. Les conférences gesticulées, c'est un des vecteurs qu'on a choisi d'utiliser par l'excuse du spectacle. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus. Des centaines de personnes se disent « mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. » Et maintenant on fait des formations où on invite des gens à parler d'eux alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet. L'activité principale de la SCOP, ça reste des stages de formation, enfin plutôt de déformation. On a fait des porteurs de parole, c'est un système de débat public dans la rue où tu vas discuter avec des inconnus, avec des passants, donc aussi avec des non-convaincus. On a un atelier qui s'appelle l'atelier de désintoxication à la langue de bois. On est arrivé avec cette offre et elle a rencontré immédiatement une demande, enfin immédiatement. Et on remplissait d'un seul coup un vide, une attente. On a affiché une radicalité politique dont tous nos amis à l'époque nous avaient prédit qu'on se planterait, enfin que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on refusait tous les jours des demandes, des attentes, des propositions, y compris de municipalités, enfin de pouvoirs locaux qui disent « on veut absolument travailler avec vous ». Je crois qu'on a envoyé une forme d'espoir dans l'espace public. Espoir au sens où des gens se disent « ah bon, c'est possible ? Ah bon, on peut résister ? Ah bon ?» On a le droit de dire que les projets, ça va pas. On a le droit de dire que la participation des habitants, c'est une arnaque. Parce que moi, je le pensais intimement, mais je n'osais pas le dire. Enfin, ah bon, c'est possible. Il y a des gens qui le disent. Ils ont même une société pour ça. Oh la vache! Ne vous retirez pas du système. Enfin, comprenez le système et battons-nous, aidez-nous, battons-nous pour prolonger les conquêtes qui sont celles historiques du mouvement ouvrier. C'est pousser l'anticapitalisme dans le capitalisme. C'est ça l'enjeu de l'éducation populaire, c'est d'accompagner la sortie du capitalisme. Et elle arrive. Moi, je la verrai pas, mais je pense que ma petite fille la verra. Je lui souhaite bien du plaisir.